Honora. Vai tomai. Coûte que coûte. Bangui à Malgré. Parce que nous sommes déterminés. Bien. Avant de passer le micro au porte-parole, je voudrais vous demander, comme à l'accoutumée, d'observer une minute de silence à la mémoire de tous nos camarades décédés. Et pour 2018, à partir de 16h45, des personnalités de l'État. Et je dirais même de hautes personnalités de l'État. Et je dis, le bureau national du SLEC a reçu à son siège le 31 octobre 2018 à 16h45 de hautes personnalités de l'État. En effet, après les souhaits de bienvenue, le bureau national du SLEC à passer la parole aux autres. Prenant la parole, le porte-parole du groupe a tout d'abord rendu un hommage mérité à un syndicaliste de ce pays et par ricochet à tous les syndicalistes de la République de Guinée. Je voudrais nommer Ahmed Sékou Touré. Selon le porte-parole de la dite délégation, il s'agit de la Guinée. Et à travers l'expertise qu'il a eu à employer, donc son talent, son savoir-faire, il a réussi à négocier pour que notre pays obtienne son indépendance, sa souveraineté nationale. Donc dans la négociation, les relations personnelles comptent, selon toujours le porte-parole de la dite délégation. Camarades, c'est un combat qui est noble. Voilà pourquoi nous demandons à tous les enseignants d'être sereins. La victoire, elle est proche. Elle est proche parce que nous avons à nos côtés tous les atouts pour réussir ce combat. Et que Dieu nous guide en menant ce combat pour un résultat escompté que tout le monde souhaite. Et continuant, le porte-parole de la délégation nous a clairement dit qu'il y a des possibilités d'aider les enseignants. Et que le budget 2018 étant déjà voté, que toute dépense en dehors provoquera irrémédiablement des dérapages. Non, je vous fais un compte-rendu. Et parlant toujours du porte-parole, il nous a cependant dit que le budget de 2019 est sur la table et qu'il y a des possibilités de faire quelque chose pour les enseignants. Ainsi, il a dit qu'au sein du secteur éducatif, qu'on a beaucoup de fictifs. Et ces fictifs se comptent par dizaines, par des milliers. Certains sont à l'extérieur. Ils ont le statut enseignant, mais ils ne sont pas en situation de classe. Certains ont migré vers d'autres départements. Certains sont déjà morts. Alors qu'ils souhaiteraient qu'on mette sur pied une commission tripartite composée du SLEC, du budget et de la fonction publique pour mener à bien tel travail et qu'on puisse faire le travail là maximum en 2 semaines. Bravo.
vous dire, cette commission tripartite, composée de Birger, du Grand Conseil, mais également de la fonction publique, pour mener à bien cette mission. Et il a même dit que si nous étions disposés à faire ce travail maintenant, que la délégation est également prête à nous aider à mener immédiatement un tel travail. Ainsi, on bondit dans le même sens en disant que effectivement les enseignants méritent mieux que ça. Et qu'en regardant le coût de la vie, on peut payer un enseignant même à 10 millions, même à plus de 10 millions. Mais si on paye un enseignant à 10 millions, et que pour avoir une miche de pain, s'il faut transporter un sac d'argent pour aller acheter une miche de pain, c'est autre chose. Et voilà ce que cette commission qui était venue nous a proposé. Nous leur avons dit que ils ont été très clairs que pendant cette période, ils ne nous demandent pas d'arrêter la grève. Donc le travail, selon eux, le travail peut se faire de façon concomitante. Pendant que la commission tripartite a travaillé sur le terrain, la grève continue. Pas de recul. Pas de recul. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pas de peur. Pas d'intimidation. Pas d'intimidation. Ainsi donc, et ça veut dire que si on mettait cette commission tripartite, ce que nous demandons, tant qu'on n'a pas ça, ça veut dire que la grève continue. Parce qu'on ne va pas arrêter la grève. Que cela soit clair et que cela soit entendu. On a également passé à peine fin certaines violations des libertés publiques, des libertés syndicales. Vous apprenez par-ci et par-là que nos camarades ont été arrêtés, donc primés dans leurs droits. C'est le cas notamment de Cancan, c'est le cas de Farana. Mais tous ces enseignants, comme un seul homme, ont dit qu'ils iront jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est eux qui violent la liberté syndicale, alors consacrée dans la Constitution guinéenne. Ah d'accord. C'est eux qui violent les libertés syndicales. C'est eux qui violent les conventions internationales, alors ratifiées par notre pays. En arrêtant, en démettant leurs fonctions, nos camarades. C'est le cas de lycée, c'est le cas de l'abbé, et que j'en passe. Donc, ils ont été mis au peigne fin de toutes ces violations des libertés syndicales. Nous avons été très clairs. C'est pourquoi nous leur avons demandé que tous les enseignants chercheurs primés dans leurs droits doivent être immédiatement rétablis dans leurs droits. Voilà une des conditions sine qua non. Donc, il faut résister à toutes ces manœuvres de l'État. On aura notre salaire et personne ne sera primé dans ces droits. C'est pourquoi je vous demande, chers camarades, de continuer le combat, car c'est un combat qui est légitime. Donc pas de recul. Et en terminant, je vais terminer par une citation de Ernesto Che qui nous dit: celui qui ne se bat pas se lamentera. Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut! Ensemble, vaincrons! Ensemble, vaincrons! J'en ai terminé. Salut. Pas de recul! Pas de recul! Pas de recul!
vaincu. Merci, camarade. C'est bon. Chers camarades, enseignantes et enseignants de Guinée, bonjour. Bienvenue à notre siège. Et nous sommes très contents, au nom du Bureau exécutif national, de vous recevoir ce matin à notre siège pour essayer d'échanger sur la question essentielle qui prévaut aujourd'hui. En complément d'information par rapport à la communication faite par notre secrétaire administratif qui vient de terminer son intervention, je voudrais vous dire que la délégation que nous avons reçue a d'abord demandé que, tout en acceptant que la grève continue, et nous allons d'abord procéder à l'identification, au recensement des anciens. Parce que on ne peut pas demander un salaire décent et que tout le monde perçoive ce salaire-là. Donc il faut faire d'abord une décantation avant, n'est-ce pas, d'augmenter les salaires. Et que il voudrait, n'est-ce pas, mettre à notre disposition tous les moyens qu'il faut en commission tripartite pour que nous descendions sur le terrain procéder à ce recensement. Nous leur avons répondu que pas de recensement d'abord, il faut payer d'abord avant le recensement. Nous sommes d'accord que ce n'est pas l'ensemble de tout l'effectif de l'éducation qui pourrait recevoir ce montant. Mais il faudrait d'abord que l'accord soit signé, que la proposition soit faite, qu'on ait d'abord ce que nous demandons avant de procéder à le recensement. Ce qui a été accepté. La délégation qui était avec nous ici, nous leur avons demandé de se retourner et nous allons communiquer avec vous. Nous avons accepté que le lundi, après-demain, qu'ils reviennent avec leurs propositions. Donc le lundi, ils seront là avec nous. Nous avons dit que pas de recensement sans la proposition du gouvernement. Camarade, salut! Camarade, salut! Ensemble, nous vaincrons! Merci, camarade. Donc, ils ont parlé du paiement. Nous avons dit, nous sommes en novembre. Nous sommes en début novembre. Si la proposition nous est faite en ce début novembre, nous demanderons à ce que le paiement commence en novembre, en fin novembre. Et ils nous ont demandé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils nous ont fait comprendre que le budget est enfermé. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Camarade, salut! Bien. Bon, général. Le budget est enfermé et ne pourrait pas faire face au paiement en fin novembre. Nous leur avons dit que nous allons convoquer une assemblée générale. Nous allons demander aux anciens si dans l'ensemble, on accepte que le paiement commence effectivement en novembre et que
le paiement en espèces commence en janvier, parce qu'ils nous ont dit que la loi de finances sera votée en décembre. Nous leur avons demandé que si le paiement commence en janvier, alors nous allons vous poser le problème. Si nous acceptons que c'est fin novembre, alors on va faire effet rétroactif. Janvier. Le budget, comme vous le savez, techniquement, le budget est déjà bloqué pour l'année budgétaire 2018. Donc, techniquement, le gouvernement, la partie gouvernementale a déclaré que le gouvernement ne pourrait pas payer en fin novembre. Nous, à nous, n'est-ce pas, d'examiner la situation. Comme nous sommes des syndicalistes, comme l'a fait en novembre, nous allons accepter. Si la proposition qui nous sera faite est consistante, nous allons accepter. Nous allons accepter de signer le protocole, de commencer à payer en novembre, et que si la paye effective sera faite en janvier, que ça sera avec effet rétroactif à commencer du 1er novembre 2018. Cela est techniquement possible. C'est ce que nous pourrons accepter. Et je vous demande d'accepter cela. Si toutefois la proposition qui nous sera faite sera consistante, nous allons accepter à ce que le paiement commence en janvier avec effet rétroactif. Est-ce que nous sommes d'accord pour ça? Bien, merci. Camarades, salut! Violation. S'il vous plaît, au fond. Soulimangui, s'il vous plaît. Par rapport aux différentes violations dont on leur a fait observer, à savoir l'ingérence notoire de l'administration guinéenne dans les affaires syndicales. Au niveau de l'enseignement supérieur, deux poids, deux mesures. Un syndicat créé par l'enseignement supérieur et un autre syndicat qui ne veulent pas sentir au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, nous avons souligné cet état de fait. L'autorité au niveau de l'enseignement supérieur ne peut pas accepter un syndicat et muter par sur quoi les responsables du SLEC qui sont au niveau de ces institutions-là. Au niveau de Gamal, tous les responsables du SLEC ont été démis de leurs fonctions. Au niveau de l'ISEC, notre secrétaire général et son adjoint ont été démis de leurs fonctions, mutés à Cancan. Et on l'a même interdit son voyage d'études pour le doctorat. Son nom a été biffé. Vous voyez combien de fois l'injustice est de mise par ce gouvernement-là, par le ministre de l'enseignement supérieur. Au niveau de l'université de l'Abbé, le secrétaire général a été démis de ses fonctions et muté à Sérékouli, plus son adjoint. Le bus qui leur avait été confié a été retiré. Les motos retirées. À Kindia, à l'université de Kindia, les responsables syndicaux du SLED ont été mutés à Kanka, à l'Abbé. Les motos retirées.
Mais où sommes-nous? Où allons-nous? Où sont les droits syndicaux? Où sont les libertés syndicales? Alors, avec ces violences-là, nous ne sommes pas prêts du tout à sceller, nous ne sommes pas prêts à arrêter la grève tant que ces éléments-là ne sont pas remis et rétablis dans leurs droits. Vive la solidarité syndicale! Ensemble, nous vaincrons! Vive la liberté syndicale! Vive la liberté syndicale! Vive la liberté syndicale! Vive la liberté syndicale! Tant que nos camarades dénient leurs fonctions, ne sont pas établis dans leurs fonctions, la grève continuera. Ce sont les préalables là que nous avons soumis à la délégation. Le gel des salaires. Le gel des salaires est une violation. Une violation flagrante. C'est un abus de pouvoir. On ne doit pas bloquer le salaire d'un fonctionnaire. Nulle part dans les textes juridiques régissant le statut général des fonctionnaires, aucune disposition n'indique qu'il faut couper le salaire de l'enseignant ou du fonctionnaire quand il est en grève. Au contraire, la grève est garantie. Le droit de grève est garanti par l'article 11, l'article 15. Et aujourd'hui, l'État, le gouvernement se tape la poitrine en disant quiconque ne voit pas, on gère son salaire. Et ils ont dit encore que de remonter la liste et au mois de novembre aussi, au mois de novembre, de tous ceux qui ne sont pas en classe, que les salaires seront gelés. Alors, chers camarades, s'il vous plaît, le général à la parole. Chers camarades, zéro, Kassori, zéro, Kassori, zéro, Kassori, zéro, zéro, Kassori, zéro, Kassori, zéro, 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 violation récurrente à Conakry comme à l'intérieur du pays, nous ne ferons pas reculer, nous ne céderons pas aux menaces, nous ne céderons pas aux intimidations. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, à Kankan, le bureau, les membres du bureau ont été arrêtés, le secrétaire général IKC a été incarcéré. Il a fallu ce jour-là cette délégation pour que celui-ci soit libéré à 21h. Il a fallu qu'un des membres de cette délégation-là téléphone au gouverneur à Kankan pour que celui-ci soit libéré. Vive Kassé ! Vive Kassé ! Vive Kassé ! Merci. À Farama ce matin, deux femmes ont été arrêtées après la marche des anciens. Elles ont été arrêtées à Farama ce matin. Mais les anciens se sont mobilisés et se sont rendus à la gendarmerie. Aussitôt, elles ont été libérées. À bas les traîtres ! À bas les traîtres ! Pas de recul ! Pas de recul ! Jusqu'au bout ! Alors, commandes anciens, comprenez que si on se laisse intimider, parce que nous recevons les messages, les appels à l'intérieur du pays, les DPE maintenant là qui tiennent des réunions avec les enseignants pour leur demander de reprendre le lundi. Dans toutes les préfectures, les DPE sont en train de tenir maintenant les réunions. Mes chers enseignants, ce que je peux vous dire, pendant la période de guerre, nous sommes en cessation de travail. Le travailleur qui est l'enseignant ne doit écouter que le syndicat. Vous ne devez répondre à aucun appel d'une autorité quelconque. Pas de contact. Aucun DPE, aucun chef d'établissement ne doit vous faire appel et que vous répondiez à cet appel-là. Aujourd'hui,
des anciens, certains anciens qui ne connaissent même pas leurs droits, qui répondent à l'appel des autorités. Quand le directeur de Dieu demande de venir, ne venez pas. Lorsque le DPE vous demande de venir, ne venez pas. Lorsque l'inspecteur vous demande de venir, ne venez pas, ne répondez pas. Nous sommes en grève. Personne ne doit venir en classe. Personne ne doit répondre à l'appel d'une autorité quelconque. Tant que la grève n'est pas suspendue ou levée. Il faut rassurer les camarades, d'accepter de souffrir maintenant pour que nous sortions de cette souffrance. D'accepter le gel de salaire, même si c'était 3 mois, 4 mois. Les autres l'ont fait dans d'autres pays. Au Bénin, au Tchad, au Mali, au Burkina Faso. Il y a eu 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de suspension de salaire. Mais les anciens ont tenu mordicus et ils ont obtenu, n'est-ce pas, les points qu'ils ont revendiqués. Ces points ont été satisfaits. Pourquoi pas nous? Alors que nous souffrons plus que ces anciens-là, qui continuent à réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans ces pays-là, dont les anciens sont plus payés que nous. Alors que nous sommes les anciens les plus mal payés de la sous-région. Et c'est maintenant le moment où jamais. Et à ce moment-là, vous voulez, n'est-ce pas, à travers ce genre de salaire-là, il y en a qui veulent le reprendre. N'acceptons pas de reprendre. À bas les têtes! À bas les têtes! Pas de recul! Merci, général. Aucun lycéen ne doit se présenter à l'école. Nous devons rester mobilisés. Nous devons rester vigilants. Nous ne devons céder à aucune intimidation. Nous devons continuer à resserrer les rangs et à observer le mode de grève. Puisque la richesse, il y en a dans ce pays. La corruption, la gabegie, qui sont là dans l'impunité totale, une malgouvernance. Nous ne pouvons pas être les conséquences de cette malgouvernance. Aujourd'hui, en Guinée, il y a plus de 30 sociétés minières. Des régies financières en Guinée génèrent suffisamment de recettes qui peuvent payer l'ensemble des travailleurs de Guinée aujourd'hui, à plus de 10 millions. L'ensemble, je dis bien, l'ensemble des travailleurs de Guinée, à plus forte raison, les enseignants. Nous voyons les autorités qui roulent dans des véhicules de plus de 500 millions de francs. 600 millions. Ils ont un train de vie de l'État est élevé. Nous avons vu le budget de certains départements élevé. Alors, ils ne veulent pas diminuer ce train de vie-là pour faire face à notre revendication. Ils ne veulent pas lutter contre la gabegie de ces corruptions pour faire face à notre revendication. Ils veulent nous obliger à continuer dans cette misère. Et nous disons non, 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 non. Que les anciens, aujourd'hui, on cherche à nous diviser. On veut étriser notre mouvement. On veut le régionaliser. À ce moment-là, il y a d'autres réunions qui se tiennent. Pour dire aux anciens, venez, ne suivez pas les autres là. Ils sont en train de tenir les réunions maintenant là. Mais nous, notre mouvement est apolitique. On ne vise pas une ethnie. On ne vise pas un parti politique. Ce que nous voulons, c'est améliorer notre condition de vie et de travail. Un point, un trait. Ici, il y a des Malinké. Ici, il y a des Soussous. Ici, il y a des forestiers. Il y a toutes les ethnies qui sont en Guinée ici, qui sont des enseignants. Donc ce que nous considérons, c'est ça.
les citoyens guinéens. Il n'y a pas de mannequins chez nous ici. Comme ce que ils sont en train de dire. Ah, les mannequins, allez en classe. Ils sont contre notre pouvoir. Alors, ce mot-là, méfions-nous de l'ethnocentrisme. L'ancien n'est pas ethnocentriste. Je ne voudrais même pas en parler. Je ne voulais même pas en parler. Parce que parler de l'ethnocentrisme, c'est faire de l'ethnocentrisme. Mais que nos camarades comprennent que nous n'avons pas de soucis par rapport à l'ethnie. Et que, quelle que soit l'appel qu'ils vont lancer par rapport à l'ethnisation de notre mouvement, nous resterons toujours sereins. Nous resterons toujours calmes, nous continuons notre combat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des anciens.